Aujourd'hui, on va voir les pronoms, les pronoms personnels. On va voir les pronoms sujets, les pronoms toniques, et on verra aussi une partie des pronoms compléments. On commence rapidement avec les pronoms sujets. Les pronoms sujets, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Une petite remarque, le pronom sujet je devant une voyelle, ou bien un h muet devient j apostrophe. Par exemple, j'aime faire du sport, j'habite à Paris. On a ici le j apostrophe. Par rapport à la place, la place du pronom sujet, où est-ce qu'il se place Le pronom sujet se place devant le verbe, sauf pour une question au langage soutenu. Quand on pose une question au langage soutenu, on met d'abord le verbe, ensuite le sujet. Mais sinon, pour les autres cas, le pronom sujet se met devant le verbe. Par exemple, nous sommes arrivés à tanger, nous, pronom sujet, devant le verbe arriver. Ici, arriver conjugué au passé composé. Nous sommes arrivés. Et deuxième phrase, quand est-il arrivé Quand est-il arrivé Est-il, ici j'ai mis le verbe, avant le sujet il. Pourquoi Parce que c'est une question au langage soutenu. En pronom sujet, on a aussi le on au N, le on, le pronom indéfini. Le on remplace nous au langage familier. Au langage familier, j'utilise on à la place de nous. Par exemple, mon ami et moi, on est parti à la plage. Mon ami et moi, je le remplace par on, on est parti à la plage. Une remarque, on avait vu ça la dernière fois quand on a vu les indéfinis. Là, je fais un petit rappel. On est parti. Vous voyez qu'ici, parti, le participe passé parti s'accorde avec on et on remplace mon ami et moi. Donc, j'ajoute un S à parti. Une dernière remarque avec les pronoms sujets. Ensuite, on va passer au pronom tonique. On peut utiliser le vous pour une personne. Quand je parle à une seule personne, je peux utiliser le vous. Dans quel cas Pour la politesse. Pour la politesse, on utilise le vous quand je m'adresse à une personne. Alors en général, c'est soit pour la politesse, soit quand on parle à des personnes âgées, ou bien des personnes que je ne connais pas. Avec des personnes que je connais, avec des amis, ou avec la famille, ou avec des collègues de travail, en général, on utilise tu. Je ne vais pas utiliser vous. Le vous, c'est vraiment... La politesse pour les personnes âgées ou les personnes que je ne connais pas. On passe maintenant aux pronoms toniques. Les pronoms toniques moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Alors, on va voir plusieurs utilisations du pronom tonique. La première chose, on va utiliser le pronom tonique pour renforcer un pronom. Par exemple, moi, je fais du sport tous les jours. Vous voyez qu'ici on a moi, je. Là je renforce le pronom sujet je. Au lieu de dire je fais du sport, je dis moi, je fais du sport. Ou bien toi, tu préfères la lecture. Vous voyez, ça permet de renforcer le pronom sujet. Moi, je. Toi, tu. On l'utilise aussi beaucoup après et. Ou, ou bien ni, et ou ni. Par exemple, je vais sortir, et toi, ni toi, ni moi, ne savons où se trouve la gare. Alors ici, attention, une petite remarque. On ne dit pas moi et Ahmed, nous allons déjeuner, on ne dit pas moi et Ahmed, on va dire, pour la politesse, Ahmed et moi. Nous allons déjeuner. Vous voyez, on fait passer d'abord la personne, ensuite moi. Ça, la politesse. C'est Ahmed et moi. Je commence pas par moi. Donc ça, c'est une première remarque. Quand je veux utiliser et moi, je le mets en deuxième position. On utilise aussi le pronom tonique avec c'est, le démonstratif c'est. Là aussi, pour renforcer le sujet. Euh, un exemple. C'est toi qui es en retard. C'est nous qui avons signalé le problème. Vous voyez quand je dis c'est toi qui, c'est toi qui es en retard, c'est plus fort que de dire tu es en retard. Une autre utilisation, c'est la comparaison. Quand on veut faire des comparaisons, on utilise aussi souvent le pronom tonique. Par exemple, comme moi, il aime les gâteaux. Comme moi, oui, la même chose. Comme moi, il aime les gâteaux. Ou bien, Ryan est plus grand que nous. Ryan est plus grand que nous et plus grand que toi, plus grand que vous. Voyez ouais, là aussi, on a l'utilisation du pronom tonique après une préposition. Là aussi, on utilise très souvent les pronoms toniques. Par exemple, j'aimerais travailler avec lui. Elle n'est pas chez elle. Nous avons parlé de lui. Vous voyez qu'ici, avec. Chez, de, ce sont des prépositions. Et après les prépositions, on a utilisé le pronom tonique. Une autre façon de renforcer le pronom tonique, c'est d'ajouter même. Par exemple, c'est mon ami lui-même qui me l'a dit. Lui-même. Ou bien, mes voisins ont construit eux-mêmes cette, euh, cette maison. Oui, C'est une façon ici de renforcer le pronom tonique. Lui-même, eux-mêmes, elles-mêmes, nous-mêmes, vous-mêmes, etc. On passe maintenant au pronom complément. On a vu le pronom sujet, on a vu le pronom tonique. Maintenant, on passe au pronom complément. Le pronom complément, sa place, se trouve devant le verbe. Le pronom complément se trouve devant le verbe. Sauf à l'impératif, le mode impératif, affirmatif. Alors, les pronoms compléments, il y en a plusieurs. On va commencer par voir le pronom en. Le en remplace un nom, va remplacer un complément, un nom, qui commence par un article partitif. Alors, c'est quoi un article partitif C'est du, de la et de l'. Donc quand j'ai un nom qui va commencer par du, de la ou de L, dans ce cas, je peux le remplacer par en. Par exemple, ⁇ Tu veux du fromage ?⁇ Oui, j'en veux bien. Au lieu de dire ⁇ Oui, je veux bien du fromage ⁇ pour éviter la répétition, je vais dire ⁇ Oui, j'en veux bien. De la patience, oui, il en faut. Oui, il en faut, ou bien oui, il faut de la patience. Donc le en remplace l'article, un nom qui commence par un article partitif. Le en, on va aussi l'utiliser pour remplacer un nom qui commence par un article indéfini. Les articles indéfinis, je vous le rappelle, c'est un, une, des. Donc si j'ai un nom qui commence par un, une ou des, je peux le remplacer par en. Par exemple, tu as un stylo Oui, j'en ai un. Ou bien non, je n'en ai pas. Vous voyez ici au lieu de répéter oui, j'ai un stylo, ça commence par un article indéfini. Oui, j'ai un stylo. Oui, j'en ai un. Une remarque ici avec le en en général quand la phrase est affirmative. Quand la phrase est affirmative, on ajoute un oui, je ne vais pas dire oui j'en ai. En général, on va rajouter la quantité. Oui, j'en ai un. Oui, j'en ai deux. Oui, j'en ai trois. Vous voyez, avec le en, avec le en, souvent on ajoute la quantité. On peut aussi utiliser le en pour remplacer un nom avec une expression de quantité. Quand le nom a une expression de quantité, on peut le remplacer par en. Alors les expressions de quantité par exemple un peu de beaucoup de assez de une boîte de ouais j'ai la quantité une boîte de euh, plusieurs un kilo une bouteille de euh, assez de oui je l'ai mis enfin voilà vous avez compris dès qu'on donne une information sur la quantité je peux le remplacer par en par exemple tu as du travail Oui, j'en ai un peu. Au lieu de dire oui, j'ai un peu de travail, je vais dire oui, j'en ai un peu. Donc, je garde l'expression de quantité, un peu, et j'utilise le en. J'aurais pu dire oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai pas mal. Vous voyez, avec l'expression de quantité, on peut utiliser le pronom en. Un autre exemple avec les, les quantités. Vous avez du chocolat Oui, il m'en reste une boîte. Une boîte, c'est une quantité. Oui, il m'en reste une boîte. J'aurais pu dire, il me reste une boîte de chocolat. Pour éviter de répéter chocolat, on va dire, il m'en reste une boîte. Mais là, pareil, je garde la quantité. Voilà, on s'arrête pour cette vidéo par rapport aux pronoms compléments. Alors, on n'a pas terminé, bien sûr, les pronoms compléments. Pour la prochaine vidéo, on va voir les pronoms « le »,« la »,« les, les », euh, le pronom « y », on a vu « en », on va voir « y ». On verra aussi « lui » et « leur ». On verra un peu les différences entre ces différents pronoms, les pronoms « coi », les pronoms « cod ». Bon, vous voyez les pronoms, c'est un grand dossier, c'est pour ça que je préfère faire plusieurs vidéos au lieu de vous faire une longue vidéo qui risque d'être un peu difficile et un peu ennuyeuse. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Inch'Allah.